Troisième jour du vlog. Donc troisième vlog techniquement. On n'a pas pu faire d'outro hier parce qu'on était, comme on dit dans le métier, défoncé, Fatigué. fatigué, non pas alcoolisé mais fatigué. Donc on s'est endormi comme des merdes à l'hôtel. Totalement. Donc la nuit fut bonne et réparatrice. Donc on va rester maintenant pour ce troisième jour jusque, je l'espère, jusqu'à l'arrivée, normalement. À 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie. Merci. Merci, Ouais. Julien. Donc voilà, donc il est à peu près 11h30, on retourne sur le circuit, on va quand même manger avant. Oui. Et on va aller sur le circuit, on va essayer d'aller chercher bah, Raidillon, tout ça, comme on n'aurait pas pu le faire hier. Et voilà, on va voir si. Alors, à l'heure qu'il est, moi j'ai une BMW du Rové deuxième. Ça va. Emeric, rappelle-moi un peu où est la Ferrari? Ouais. Merci, merci Mercedes AMG. Merci. Bah, elle est dans le rayon. Salty man. Voilà donc, bah, voilà, on est dans. Pff, je sais pas si vous reconnaissez un petit peu derrière moi, c'est un peu compliqué si vous n'êtes pas de la région, mais on est du côté de Stappen. On est plutôt bien mis, non? Ça va. Avec la vue. Il y a un peu de vent, mais la vue est sympa. Vraiment.
Thank you.
Bruxelles. Si. So
Bonjour, ici en direct de Fort-en-Champ. Allez voir la chaîne Maxou Pilote. Merci à monsieur Fred Bouvy. Merci beaucoup. Voilà. Bon, du coup, petit supplément pour le vlog. On remercie ces messieurs très sympathiques qui nous ont permis d'accéder au podium. Merci beaucoup. Merci à eux. Voilà, alors, il reste des bouchons, il y a du champ. Voilà. Évidemment, c'est Emeric qui roule pour rentrer, je le rappelle. Oups. Non, déconne, c'est moi. Voilà, Andy Wheeler. Évidemment, il aura au moins gagné un truc cette année. Ah, c'est bon en plus. Allez, tu m'étonnes. Voilà, donc on est sur le podium. Incroyable. On a pas gagné, si ce n'est votre sympathie. Merci à tous et à la prochaine. Salut. Alors, rebonjour à tous. Voilà, donc vous venez de vivre le podium de ces 24 heures. Alors, Victoire Audi de chez Saint-Éloc. Alors, il y a le soleil un petit peu dans nos visages, donc on va avoir un très joli faciès. Regardez cette tête de champion. Donc, du coup, voilà, la piste est libre. On a tout vu. C'est génial. À part la nuit pour des raisons de fatigue musculaire assez importante. Bon, le bilan est plutôt positif. Bon, Andy n'est pas avec nous. On l'a perdu. Il est c'est là-bas. Le bilan positif. On a perdu Andy. Non, je déconne. Il est au comble, donc il ne sera pas avec nous pour conclure ce vlog. Mais voilà, donc bravo quand même au podium. Salut quand même le team AKASP hein, qui a mis 3 voitures dehors. En terminant 3ème, ils sont même pas restés sur le podium, ils sont partis. Ils n'ont même pas fait le champagne. Sympa l'ambiance. Sinon, 2 teams français sur le podium, bravo. D'ailleurs, regardez, on ne va pas vous mentir, il y a les voitures qui arrivent derrière nous. Hein. On est en train de ramener un petit peu les... Ah, et on les démarre en plus, c'est plutôt cool. Hein, voilà. Si tu veux venir, Emeric, voilà. Ils ont des jolis sons, mais ils n'ont pas des pilotes très fair-play. Ça, c'est Black Falcon, c'est pas AK. Non, je sais. Mais... Enfin, voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi ces 3 vlogs ici à Spa. Ça a été super, très belle expérience. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve quoi très vite dans de nouvelles aventures, notamment le championnat e-sport WTCC, plein d'autres belles choses. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter si vous étiez aussi à Spa. Désolé, bonjour à tous ceux qui ont permis qu'on soit là. Merci à Kevin, ouais. Merci à James de chez AFCourse, merci à Stéphane de chez Rove, qui n'a pas eu de chance, qui était assez salé parce que sa voiture a abandonné sur un souci de clutch, donc d'embrayage. Mais en tout cas, voilà, merci, donc gros kiff. Pour les messages d'anniversaire aussi, merci. C'était son anniversaire, donc merci à tous les abonnés qu'on a croisés, c'était génial. Et on se donne rendez-vous et bien très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous, salut. Salut. Alors Andy, première fois sur un circuit, comme on disait, erreur de débutant, demander un pneu, être garé à 5 km du circuit, réaction. Ah, ça m'y fait au montage. Je crois que j'ai même pas le vu. Emeric, une réaction, est-ce que cette boisson fraîchement, alors merci beaucoup à la buvette du circuit, merci beaucoup à celle du pied du Rédion, hein, de nous avoir offert à boire, vraiment. On a pris une conso et c'était les dernières dans le frigo, donc ils nous ont offertes. Merci beaucoup, merci franchement. Alors Andy... Toi, tu as eu à droit à un petit Pepsi bien frais, mais est-ce que l'effet du Pepsi n'est pas déjà en train de s'estomper avec cette roue? Absolument. Honnêtement, certes, ça va me faire chier parce qu'il va falloir que je monte avec, mais je suis vraiment... Petit point pneu, mon cher Andy Wheeler. How is your wheel, Mr. Andy Wheeler? Box, Andy. Attention, t'as du greening, là, attention. Ça commence à buver. Je vais m'arrêter au box, changer. Je vais en reprendre 2 de plus. Oh, la miniature de la vidéo, toi, avec la poubelle et l'arbre derrière, c'est très très... Le carrefour de l'arbre, lol. Oh là là. Donc tu croises pas la dame blanche à 16h... Ah, on passe sur un posage, ça j'en peux plus. On fait une deuxième technique. Pourquoi là tu vas pas droit? Deux voitures. Ah, et un camping-car. Demande s'ils ont pas, s'ils vont pas en Auvergne. Là, en Auvergne. Ah. On va chercher à Bruxelles, c'est ça? Je montais jusqu'à Bruxelles. C'est loin Bruxelles, t'as été comment en voiture? Ouais. C'est incroyable. Ouais, merci. C'est qui? Bah, c'est le monsieur de la buvette. Ah. Attention, faut trave. On aurait pu lui demander, monsieur de la buvette. Bon, enfin, pour ça qu'on s'en mette. Alors. J'ai un enfant en bas âge. Je vais me taire parce qu'il me fait penser à un gosse, mais... Incroyable. Oui, ça roule encore. Voilà, donc on est limité à 50 kilos, donc tu ne peux pas aller, Andy. 8% Andy. Avec le pneu sur le dos, incroyable.